Allez, salut à tous. Donc, on va entamer une série de vidéos pour travailler les zones, en fait. Donc, j'ai choisi la tonalité de sol majeur. Et on va commencer par les arpèges 4 sons. Donc, ça va être arpège par arpège, et après, c'est tout réuni. Allez, observez bien, regardez les tabs, et on en parle après. Allez, on décortique ces arpèges. Donc on va utiliser les arpèges de sol majeur 7 en position de mi, la mineur 7 en position de sol, si mineur 7 en position de la, do majeur 7 en position de la, ré 7e en position de do, mi mineur 7 en position de ré, Fa mineur 7 bémol 5 position de mi. Alors sur la vidéo je l'ai fait comme ça, mais on peut très bien le faire comme ça aussi, hein. Ok, si on veut le faire aigu. Voilà, donc il va falloir maintenant sur chaque accord faire un arpège 4 sons. Donc le sol majeur. Le la mineur. Le si mineur, le do majeur 7, le ré 7, le mi mineur 7, le Fa mineur 7 bémol 5, le Fa dièse mineur 7 bémol 5.
a fait tous les degrés. Donc, on est sur la zone de Mi, Sol majeur 7 en position de Mi, en forme de Mi. Donc, référez-vous au Caged. Hein. Donc, c'est la forme de Mi, c'est l'occasion de réviser ce Caged, ce fameux Caged, qui pour moi est très important. Et aussi les accords 4 sons. Allez, on passe à la suite. Alors pour ce deuxième exercice, on va prendre toutes ces positions et on va les réunir en fait. Donc on part du sol. Passer au la directement. Le si mineur. Le do majeur 7. Le Mi mineur 7 et le Fa dièse mineur 7 bémol 5 pour aller jusqu'au Sol. Alors dans la vidéo j'ai fait dans ce sens là, mais vous pouvez très bien le faire ainsi de suite. Ok, donc deuxième exercice qui va nous permettre de sur cette zone là en fait de bien décider tous ces accords de 4 sons, les mineurs 7, majeur 7, 7e et mineur 7 bémol 5. Déjà dans un premier temps pour identifier et bien connaître ces accords sur une seule et même zone. On verra les autres zones après. Et on verra qu'est-ce qu'on peut y mettre dedans après pour improviser, par exemple. Allez, à bientôt.